Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Dragon Quest XI pour récupérer la tenue d'Yggdrasil pour Théodore. Pour récupérer la recette, on entre dans le temple de la tranquillité et on vient toucher la deuxième pousse pour passer l'épreuve de la sage. Tout au nord-ouest de la forêt démentielle, vous trouverez une liane qu'il faudra escalader. Une fois là-haut, on grimpe sur ces deux rochers pour y découvrir un coffre qui contient le livre. Alors pour craft la couronne, on aura besoin d'une couronne de gluant, d'un rubis royal, de deux grains d'or et d'une feuille d'Yggdrasil. Quant au manteau, il faudra farm de la fleur de soie, un lingot d'or, de la scintillerbe et un autre rubis royal. De retour dans le temple de la tranquillité, on pourra acheter auprès de ce vendeur les grains d'or et le lingot d'or. À l'intérieur de l'académie de notre maître des médailles, on va venir prendre cette porte à gauche. Il faudra ensuite parler au gluant et lui acheter le rubis royal pour 2000 pièces d'or. Pour la fleur de soie, il faudra se reposer au camp de Fordrasil pour pouvoir en acheter auprès de ce marchand itinérant au prix de 1000 pièces d'or. Et c'est la même chose au camp sud des champs sauvages pour obtenir de la scintillerbe. Si vous n'avez pas de feuilles d'Yggdrasil dans votre inventaire, on pourra en trouver dans le casino de Puerto Valor. Elle s'échange contre 5000 jetons. Et pour la couronne, vous pouvez soit envoler sur les rois gluants de métal, ou alors vous rendre au comptoir du casino d'Octogonia pour l'échanger contre 50 000 jetons. On possède tous les matériaux pour craft la tenue de l'Yggdrasil, et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye!